Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Selon les archéologues, les peuples autochtones d'Amérique du Sud se seraient formés à partir d'une migration sibérienne à la fin de la dernière glaciation, la glaciation de Wurm, qui s'étend de 115 000 à 11 700 ans avant notre ère. Les paléoanthropologues de l'Arizona State University, installés en Éthiopie depuis 2002, ont récemment découvert un squelette qui, une fois daté, repousse l'apparition de l'Homo sapiens de 400 000 ans. Jusqu'à présent, le plus ancien génome humain séquencé était de 70 000 ans. L'année dernière, l'archéologue allemand Heiko Prümers publiait, dans la revue Nature, les résultats de ses travaux en Amazonie. Nous connaissons tous les Incas, Mayas et Aztèques. Mais qui y avait-il avant que les forêts ne s'épaississent et fassent disparaître tout vestige? Grâce à la technologie LIDAR, il a mis à jour en Bolivie de nombreux vestiges de la civilisation Kazarabe qui occupait une zone de 16 000 km. Elle était organisée en sites urbains fortifiés avec des constructions monumentales de plus de 20 mètres de haut qui en occupaient le centre. Finalement, comme dirait Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ce que nous savons pour sûr, c'est que de multiples civilisations ont vu le jour et disparu, soit par événements extérieurs, soit par événements intérieurs, comme pour les peuples autochtones du Brésil, avec l'arrivée de Christophe Colomb en avril 1500. Dès lors, la menace d'un conquérant à la recherche d'or et de territoire sous le commandement du christianisme et donc investi d'une mission divine ne pouvait qu'ébranler durablement la structure de ces peuples. La culture, la religion, les maladies, cette arrivée en masse de l'homme blanc allait signer la fin d'un mode de vie. Les indigènes du Brésil vivent essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette. De nombreux conflits ont éclaté avec les colonisateurs. Cependant, les guerres intestines entre tribus demandaient parfois l'aide de ces derniers. La colonisation de peuplement effectuée par les Européens et l'assimilation des indigènes au sein de cette nouvelle communauté chrétienne ont métissé la population brésilienne. En 1967, le gouvernement devient une dictature militaire après le coup d'État du maréchal Castelo en 1964. Les indigènes sont déplacés de force ou tués par milliers pour permettre la construction sur leurs terres de routes et de barrages hydroélectriques. Au XXe siècle, la quasi-totalité des Indiens sont assimilés et obtiennent une reconnaissance officielle avec la création des premières réserves indiennes. De nombreuses tensions ont éclaté et subsistent encore. De nos jours, de nombreux peuples vivent encore éloignés de la société moderne sur leurs terres et souhaitent conserver leurs traditions et modes de vie. En 2021, le Brésil comptait 1 652 876 Indiens. Ils occupent 594 territoires indigènes sur 12% de la superficie du territoire. On y répertorie 215 ethnies et 188 langues et dialectes. En 1988, la Constitution brésilienne se munit d'un chapitre sur les droits des indigènes et y reconnaît leurs droits sur leurs terres ancestrales qu'ils occupent déclarées inaliénables et donc indisponibles. La démarcation des terres est toujours en cours et crée de nombreux conflits comme en 2005 à la réserve de Raposa Serra do Sol où Jair Bolsonaro, ancien président, souhaitait exploiter les ressources. Cependant, ces tourments semblent être derrière nous. Du moins pour le moment, avec cette nouvelle victoire des peuples indigènes du Brésil. Récemment, une proposition de loi a été soumise, appelée cadre temporel.
qui ne reconnaissait le droit à la propriété des terres autochtones que sur les terres occupées ou revendiquées le 5 octobre 1988, jour de la nouvelle constitution du Brésil. Aberration pour les indigènes, qui rappellent avoir été chassés par la dictature militaire et qui l'ont été depuis des siècles. Il dénonce également l'appétit des mangeurs de terres, ceux qui ne voient que profit et destruction du vivant pour quelques dollars. Le 21 septembre 2023, la Cour suprême du Brésil a tranché et écouté le cri des peuples autochtones. Selon Atiguaçu, membre des Guarani, il s'agit d'un important moment de bataille et de célébration. La Cour suprême a montré qu'elle se soucie de nos vies et qu'elle est contre le génocide. Pourtant, après tout, nous pourrions nous dire que de nombreux peuples ont été assimilés par d'autres civilisations. Certes, il y a eu des conflits, mais que cela suit la marche du progrès, celle de l'homme moderne et de l'évolution. Eh bien non, nous ne pouvons plus dire cela. Le modèle que nous proposons, que nous importons, que nous imposons par une uniformisation du système capitaliste à travers le monde, est vecteur de destruction planétaire et de diversité humaine. Nous le constatons aujourd'hui tous les jours. Assimiler, c'est dominer, et le progrès, notre progrès, n'a rien à envier à la simplicité d'une vie sans artifice. Je vous renvoie à la chronique Âge de pierre, âge d'abondance sur l'ouvrage de Marshall Salins, qui étudie de près l'économie des sociétés premières, qui, elles, connaissaient le temps partiel et le repos, alors que nous sommes en passe d'être en économie de subsistance. Si nous croyons tout connaître et ne regardons que l'homme du futur, sans penser le passé, nous ne pouvons vivre le présent qu'avec inquiétude, alors que nous avons délaissé tous nos savoirs à l'ingénierie moderne, la santé, les déplacements, la communication, rompant tout lien neuronal et émotionnel avec le monde qui nous entoure, nous infligeant une incapacité d'action. L'indigène sait reconnaître l'oiseau et comprend le message qu'il lui envoie, comme chez nous où le jet des chênes alerte d'une intrusion dans la forêt. L'indigène sait reconnaître la plante qui permet de soigner ou d'empoisonner, comme l'infusion de thym pour nous soigner. L'indigène est encore inscrit dans la temporalité naturelle, celle des saisons et donc celle qui nous permet de restreindre notre dette planétaire du tout, tout de suite et tout le temps. Une fois la parcelle de sa terre appauvrie, la tribu se déplace pour cultiver ailleurs, laissant le soin à la mère nature de se régénérer. Nous, nous ensemençons de la chimie, peu importe la vie. L'indigène coupe une planche à même l'arbre pour le laisser vivre et se régénérer. Nous rasons jusqu'au moindre brin d'herbe qui nous dérange. Nous pourrions faire l'inventaire des savoirs et des savoir-faire des peuples premiers. Rassurez-vous, il y avait aussi du scalp et du cannibalisme. Mais la capacité d'observer le monde avec une autre finalité que le gain financier ne peut que nous faire explorer d'autres façons d'être et nous permettre de découvrir d'autres moyens d'exaltation en adéquation avec notre vie terrestre. Lorsque la diversité des peuples disparaît, c'est également notre capacité à penser le monde autrement qui disparaît. Il n'y a pas qu'un seul système. Si l'histoire semble mener l'homme à sa prolifération et à sa cupidité, ce mode de pensée en période de sixième extinction de masse n'a plus lieu d'être. Qui est le civilisé? Qui est le barbare? Qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce que la décroissance? Voilà les questionnements que permettent les indigènes et autres peuples du monde à nos sociétés technologiquement aseptisées et diaboliquement dirigées vers l'accumulation financière. Mais à quel prix? Au fait, Total Energy veut artificialiser 19 hectares d'un parc naturel pour faire une centrale photovoltaïque dans le Lot. 7000 arbres abattus, atteinte à la biodiversité. Lorsque la transition rime avec destruction, c'est qu'il est peut-être temps de remettre la notion de progrès au centre de la table. Alors, ZAD ou pas ZAD? C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Mais tu vois le Green, Green, absolument Green, un Green plus Green.